Lieu. Voilà cette foule. Cette foule innombrable. Cette foule innombrable. Remplie de flammes de feu. Alléluia. Alléluia. Tout le village est sorti pour accueillir Jésus. Tout le village est sorti pour recevoir le roi de gloire. Regardez tout ça là. Regardez cette foule. Regardez cette foule. Regardez cette foule. Qui peut la compter? Qui peut les dénombrer? Qui peut les dénombrer? Jésus est entré à Jérusalem.
Je viens rentrer à Jérusalem. Je viens à la société. Oh. Ah, allez, 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 allez. Bon, 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 bon. Gloire à Jésus! 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 Jésus vous aime! Amen. Jésus vous aime! Amen. Nous sommes fiers de vous! Amen. La manière dont vous nous accueillez! Amen. C'est comme ça que Jésus va vous accueillir aussi! Amen. Si ce trône est terriblement bas, allez, Nicolas, reste là.
qui détient l'or du monde entier. Alléluia, que l'on peut faire l'argent du monde. La puissance de vous, Kadawari, au bon moment. Que la
nous sommes venus ici pour que la bonne nouvelle et la prophétie que le Seigneur a donnée puisse s'accomplir. Nous sommes un groupe d'évangélisation. Nous sommes une armée de soldats. Angela est choisie comme envoyée par Jésus-Christ. Nous sommes un feu de réveil. Angela est vraiment un pour réveiller ceux qui dorment. Annoncer la bonne nouvelle. Prêcher le royaume des cieux. Venez au rang entier à la repentance. Yango gardien, ouvrez le portail de l'église. Yango gardien, la personne est pour qui est Jésus-Christ. Yango mieux que la Jésus au grand gagné. Et nous qui sommes arrivés, nous sommes le groupe international. Le feu du réveil. Oh, hey, la trompette va sonner. Oh, hey, hey. Donc la mission de la Sénat ici. Oh, Adami, là, pour sonner la trompette. Nous sommes un groupe qui a pour mission de parcourir toute la terre. Oh, cette mission. Allez, voyez-vous là. C'est pour cela. Allez, bonjour. Que nous sommes aussi venus. La chance de la carrière. Pour que vous tous, habitants de Canada, vous puissiez aussi bénéficier de la grâce et recevoir également la vie éternelle. Toute l'équipe du groupe Jésus revient est là. Les hommes de Dieu sont présents. Et avant que nous commencions les choses, nous allons vous les présenter. Amen. Alléluia. Qui connaît le groupe Jésus revient? Jésus revient. Qui connaît le groupe Jésus revient? Est-ce que vous connaissez les hommes de Dieu qui sont venus? C'est les hommes de Dieu du groupe Jésus revient que vous connaissez. Et voici, je vais vous les présenter. Nous avons premièrement l'homme de Dieu à qui le Seigneur a remis la mission et à qui le Seigneur a dit va et va annoncer ma parole. Tous les autres qui l'accompagnent dans la mission, et que le Seigneur a remis la mission. Je vais vous présenter l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Gracieux. Il est merveilleux. Les mystères de Dieu sont insondables. Quand on a fait le programme, on a un seul nom en quête. C'est le nom Ma. On ne sait pas que derrière Ma, il y a des villages. Donc il me fait comprendre que
Mon esprit n'a pas accepté. Ces gens sont déjà là. Attends, nous, on s'est dit là,
Son esprit saint est déjà là. Attends, dans la suite des événements. Allez, il va nous conduire. Vraiment, avant dans la télé. Dans tes enseignements. On va vous montrer, on va vous enseigner. Amen. Des choses que même des gens qui ont fait 40 ans dans les autres églises n'ont jamais vu, n'ont jamais entendu. Amen. Amen. Les choses qui sont sur vous, que même si vous appelez Jésus, il ne peut, son esprit ne peut pas vous répondre. Vous êtes heureux. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il est heureux. Il va former des greffes. Il est heureux d'être ici. Dis-lui, il va former quoi? Reste concentré ici. Il va lui dire. Oublie ton placard qui est à la maison. Alléluia. Jésus. Merci. Des cris de joie, des cris de joie. Quel que soit ce que tu vis là,
venus à Jérusalem. Et ils sont courus, Ils ont jeté le paille. Et ils ont dit à Jésus de marcher sur le paille. Et qui est au salat. C'est ce que vous avez fait ce matin. Et Jésus va vous bénir. Il va bénir ce village. Ce village ne sera plus caché. À quel atteint dans tout Amen. Jésus a pour ce village. Il va le mettre sur la colline. Et ce village, je ne le connais pas. Tout ce monde est à l'homme. C'est pourquoi, allez, bonjour. Toi qui es venu là. Il est venu là. Prépare-toi. Il gagne la main. Prépare-toi. Il gagne la main. Alléluia. Amen. Des grandes choses. Et on continue. Ouais. Et le sort est terminé pour. Même si on va tomber, Oh, non, 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 non. Même si vous baissez notre sang, vous pouvez le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Attends, attends. Voyez que Jésus vous aime beaucoup. Attends. Je vais vous présenter aussi le prophète. Jusqu'à ce qu'on voit à quel état groupe Jésus revient. Oh, à quel âge
avec la distance qu'on a parcourue. Oh, allez, mais je t'aime un problème. Ici, on va parler en termes d'humain, en termes d'homme. Selon le langage des hommes, on va dire, mais comme Jésus revêt qui est à Cotonou, Bénin, là, qu'est-ce que ça vient chercher ici en Côte d'Ivoire? Mais Côte d'Ivoire, non. Oh, non, mais la fin. Avant de faire jusqu'à au Cotonou, Bénin. D'abord, Yola, Kaseya, Moulo Kaka, Kasso, Abafé, d'abord, jusqu'à Abidjan, Kanasema, Allez, jusqu'à Kanataya, à quel tour tu m'as, Kasso, c'est la caille, ouais. Oui, je dis vite. C'est qui le 4 avion? C'est qui l'a dit maintenant? Ok, oui, très bien. Voilà. Comment est-ce que. Voilà, quelqu'un va nous traduire. Lorsqu'il va parler, quelqu'un va traduire. Comment est-ce que cela est arrivé? Comment vous avez connu le groupe Jésus revient? Et comment vous avez commencé à mobiliser les gens jusqu'à ce qu'on ne puisse voir ceux qui sont là aujourd'hui? À quel temps du monde qu'à Jésus revient, Nana? À quel temps du monde qu'à soi, Bibina? Qu'à soi, à quel âge de mon pas été? Qu'à soi, Jésus revient, qu'à soi, mort, il est là. Amen. Amen. Voilà, en français, c'est ça. Bon, Jésus revient, hein? Ni que quand Jésus revient, quel est, hein? Ce qui a fait que Jésus revient était ici? Bon, vraiment, à tout le monde, témoignage, maintenant, fort. C'est par les témoignages d'abord nous avons suivi. On peut mieux pour la maman Domitila. Oh, pas d'abord par la servante de Dieu, maman Domitila. Encore un témoignage, mais fort. On avait entendu les témoignages. Qu'il ne faut pas vraiment porter les honneurs. Aucun a fait non. Ni bien, tu m'as dit, on y a mis, c'est la route. On attendait. À tout c'était vraiment pour une joie de l'entendre. À c'était la été une joie de l'entendre. Si c'est ainsi, c'est que l'enseignement qu'il nous donne, que ce n'est pas un bon enseignement. Si c'est ainsi, nous allons chercher un chemin. Le chemin que nous allons chercher, donc, là, nous sommes là. Nous étions ensemble. Un jour, j'ai payé l'appareil Zola, la télévision. Quand je l'ai installé, je l'ai regardé à chaque moment. J'ai passé première chaîne, deuxième chaîne. Jean Grasseigné, allez crimper. Et c'est dans ça maintenant il y a vu notre papa le fondateur. Il avait l'appareil au bas, un micro. Il est là crié dans la porte. Il est là annoncer la porte. Mais là couru là. Et puis moi-même j'ai dit toujours quoi c'est ça. Et je me suis dit voilà le Seigneur que je cherche le voici. Amen. Je vais travailler avec ce monsieur. Et j'ai pris ses numéros. Et j'ai pris ses numéros. Et je suis là. Bon, et j'ai dit si c'est comme ça, je vais l'appeler un jour. Et un jour, je l'ai appelé. Il a répondu. Il a dit, j'ai dit, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le travail que vous faites, vraiment, ça me plaît beaucoup. Parce que moi, je cherche. Il dit que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Et pareil, je suis là. Et il dit si c'est comme ça. Je vais prendre les chiffres. Et j'ai dit à mes frères et soeurs. Avant commencer à évangéliser. Oh, commençons à évangéliser. Moi, je vais suivre la mission Jésus revient. On est parti à Ségla. On est parti au marché aller l'évangéliser. Jésus revient. Au nom de Jésus revient. Allez, on m'a barrière, c'est là, c'est là. Je vais vous dire la vérité, c'est jour. Quand on voit les corps à bien dispasser, quand nous sommes là, on s'est retourné sur le temps. Et à cause du travail de Dieu, comme on a commencé à l'évangélisation, on a dit on va quitter pour venir commencer ici maintenant pour partir avec l'accident sur le tapé que tu as dit. Et j'ai fait un accident avec l'enfant de mon ami. L'évangile qu'il voulait faire vraiment, j'étais paniqué, j'ai oublié.
Et j'étais là. Et j'ai dit ça, c'est le plan des démons. Je vais me lever encore. Et je l'ai appelé encore. J'ai dit, on va commencer encore le travail. À quoi bon? J'ai dit, si tu as commencé, c'est bon. Et mon nom qui est à Londres, je l'ai appelé. Je l'ai parlé. Il a dit vraiment, ça me plaît. Moi, je suis ses chefs. Faut les suivre. Je vais les appeler. Oui, on se rend pas parce que Apôtre Paul, Apollos, Annie, Silas, Olumka, Olu et Franck. Et c'est là qu'on a vu notre papa. Le pasteur et le frère qui n'est pas venu, le serviteur qui n'est pas venu, le docteur Silas. Et j'ai dit vraiment c'est que par la grâce de Dieu. Alors qu'on fait un parrain, quand et par là encore, j'ai dit encore le papa. Apôtre Paul. Abraham, mais on est venu par les francs. Et encore, j'ai vu l'autre serviteur. Amen. On doit offrir au bon papa. On a des jeunes personnes. Maintenant, j'ai dit de quel baraque. Et j'ai dit vraiment, papa, vraiment, je vais commencer le travail. Donc, ta soeur d'Ali, église, là, ici, pour. Et je suis parti demander la route à mon collègue. Pour qu'à Dima. Et ils m'ont donné le chemin. On ne pas demander, là. Je suis venu avec mon frère. On a entendu la mique, hein. Quand nous avons commencé. Pour qu'à Fakir, et j'ai appelé mon nom qui est à Londres. Ah, Fakir, papa, le grand Gratien, le fondateur. Encore, Jésus révèle, pourquoi il est en Côte d'Ivoire? Ne veut-il pas en Côte d'Ivoire? Et il a dit à papa, moi mon objectif, c'est que vous venez en Côte d'Ivoire. Il est en passé, mais là, Baronique est là. Le travail que vous faites, à quel problème? Vraiment, ça me dépasse. Quand est-ce qu'on fait une idée? Si toi, tu n'es pas venu pour me soutenir, je ne peux pas. À combien là? Il dit, je vais venir. Mais, il est en Côte d'Ivoire. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, au Camille qui a fait, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Ah, les facilités pour l'autre. Et moi aussi, j'étais vraiment abattu. Est-ce que papa là va venir vraiment? Et je l'ai appelé. À combien là? Il dit, je vais venir. Il dit, sois patient, tout le monde n'est pas même chose. Combien là? Et j'ai dit que je vais venir. D'accord. Et j'ai appelé mon nom encore. Allez, t'as ouvert tout. Et il a appelé encore. Allez, bébé, du soussouma. Et patient, toi. Allez, mille, t'es venu, allez, t'as appelé. J'ai été informé. Et il m'a tout dit, mon oncle m'a tout dit. Et j'ai dit, j'ai compris, je vais les attendre. Il dit, ah non, papa va venir. Non, papa va venir. Donc, commencez à faire ça. On commençait à être découragé. L'arrivée de papa, c'est devenu l'arrivée de Jésus, bien, puis c'est pas depuis là, ça n'arrive pas. Mais un jour il va venir, mais on ne le voit pas. Il va venir, il va venir. Il patiente, il va venir. Femme et Kadini. Ce qui est intéressant, si tu veux manger ça rapide, si tu n'as pas bien fait, tu ne pourras pas bien manger. Patiente-nous. Et nous sommes restés. À quoi bon? Ce que tu as dit, j'ai compris. Mais il y a beaucoup de temps. On va quitter parler au Sénégal. Amen en Guinée. On va aller à Guinée. Quand tu es Libéria. Allez au Libéria. Bon, si on quitte la main, on va venir chez vous. On dit ce soir, vraiment, j'étais heureux. Alléluia. Donc, on commence là, ta femme dit. Et maintenant, c'est de là que j'ai commencé à me faire. J'ai dit, prenez force. Prenez courage. On va faire sortir les t-shirts là. À quoi bon? Les t-shirts que vous allez faire sortir. C'est que vous allez mettre des drapeaux. Le drapeau de Côte d'Ivoire. Allez, maintenant, imagine Blaise. Mais à savoir quand Jésus revient. Qui a écrit dessus, Jésus qui sera comme le logo. Combien en Blaise? Et tu vas faire pour mettre les gens. Et vous allez commencer à sortir avec. Et je suis parti à moi. Il me dit 30 000. Il dit tu n'as pas l'envie de. Je suis allé chez quelqu'un d'autre. Il me dit il faut te dépêcher même. Alors, à même temps, tu as bon et dans la même semaine, il a fait sortir. Son carta. Et j'ai pris. On commence là car. Et comme ça, on a commencé à évangéliser avec les t-shirts. Amour là, quand nous sommes là, quand on n'a pas ton malade, excusez-moi, la maman, là, son fils était tombé malade, les plaies, mauvaises plaies. Souvent, on dit c'est plaies sorciers. On en a
Quand il est venu avec, voilà, j'ai prié. Et vraiment, Dieu a fait des miracles. Allez, franchement, c'est le cas. Ouais, tu es correct. Et de là au ciel, a commencé à annoncer l'évangile là-bas. Ce qui a fait que Jésus le s'est agrandi. Oh. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, ce témoignage est vraiment impressionnant. Le Seigneur l'a utilisé pour apporter le feu. Et c'est tellement visible. Oh, vraiment, à Alléluia, gloire à Jésus. Comment ton nom? N'oubliez pas. Père de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Brou Kwadjo Serge. Comprenez-vous là, Brou Kwadjo Serge? Bon, il y a un autre nom d'évangélisation. Il y a le frère Paul. Allez-toi pour Paul. Je rends gloire à Jésus. Depuis, je médite la Bible. J'ai pour référence l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus a fait par lui. Donc, le nom Paul est sur ma vie. Et ce que je veux faire. Allez, qu'on s'en porte à ce que je veux. Le groupe Jésus revient. On est quand Jésus revient. J'étais aux assemblées de Dieu, quand j'étais à Daloa. Et à un moment donné, j'ai dit, mais quand j'étais étudiant, j'ai dit que si le Seigneur le permet, que j'ai eu un petit travail, je vais l'adorer. Et il a fait cela. Mais je suis resté dans la distraction. Oh, vraiment, trois ans. Un décembre. J'étais là et quelque chose est venu dans ma tête. Tu me dis, mais depuis, tu as dit que tu allais adorer le Seigneur si tu avais un travail. Mais pourquoi depuis tu ne fais rien? Donc ça m'a tellement marqué, c'était le 31 décembre. Donc quand on rentrait dans le mois de janvier, j'ai pris un moment de gêne, j'ai pris un congé. Et les un mois de congé, j'étais en gêne. Et c'est comme ça que, après les jeunes, j'ai commencé à avoir des songes sur l'église là où je fréquentais. Voilà, j'étais avec eux. Mais dans un songe, je trouvais que le message qu'ils prêchaient c'était faible. Monsieur Gafon, Chicola, tu m'as dit que 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 tu m'
En réalité, celui qui prêchait d'habitude, c'est en rêve, je l'ai vu encore qui t'a fait prêcher et il a trouvé que c'était fait. En ta église, là, nous, tu mets, je me regarde moi-même. J'étais nu. Parmi les peuples, mais j'étais nu. Et j'ai dit, mais donc depuis moi, je suis assis parmi les gens, je suis nu. Après, je suis rentré. Et cette fois-ci, c'est comme il y a un boubou blanc sur moi. Mais j'ai trouvé le message toujours fait. Et je me suis réveillé. Et deux jours après, je fais un songe encore. Le même frère qui prêchait dans le premier songe. On était à l'église. Et il était en train de distribuer de la nourriture. Il a servi tout le monde est en train de manger. Il m'a servi. Mais je n'arrive pas à manger. Quand je prends la nourriture, ça se colle. Avec toutes mes forces. Et puis après, je me retrouve quelque part. Comme une cuisine. Et j'étais en train de préparer. Depuis ce jour, je ne me sentais plus dans l'église. Je n'arrivais même pas à m'asseoir pour faire le culte avec moi. Tu t'es le castigui. Je partais dans les églises en brousse. On met maintenant quand ta église qu'elle. C'est des personnes qui vraiment veulent entendre la parole de Dieu. Je me sentais avec eux. Qui l'a trouvé? Moi, me fais quoi? Comment tu m'as mis? Tu me fais quoi? Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher aussi sur Internet. On commençait là à appeler Internet là. Les enseignements des pasteurs. Et quoi tu veux dire là, pasteur? Et c'est comme ça que je suis tombé sur le groupe Jésus Rédé. Allez là, comment tu as fait des choses? Je voyais chaque dimanche comment les gens sont habillés, les gens sont bien voilés. Tout était décent là-bas. J'ai dit, tiens, voici quelque chose qui va m'intéresser. Donc c'est comme ça. Et j'ai commencé à suivre le groupe Jésus. Comment cela qu'a trouvé Jésus le Seigneur? Jésus le Seigneur. Et c'est comme ça que c'est resté dans mon cœur. Vraiment, je suis dans la joie parce que 18 ans même fait. Depuis longtemps, j'ai cherché à croiser l'homme de Dieu. Tu me fais car Jésus le Jésus le un paquet au. Donc, je cherchais toujours le prière du Seigneur. Est venu. Mais j'ai mon frère qui est là. Il y a Daloa. Allez, Daloa. Nous devons partir à Abidjan. En tout cas, Abidjan. On a dit d'attendre le programme de moi. Allez, Kakoda et Kasako. Donc, c'est comme ça. Allez là. Nous sommes venus à moi. Kasson, Nanama. Vraiment, c'est pas facile. Vraiment, tout le monde. Nous sommes venus avec nos différentes familles. Anana, Antana, Anta, famille nouvelle. Donc nous sommes venus pour écouter les hommes de Dieu. Django Kaota, comment dit la main? Comme. Alléluia. Amen. Comme le frère connaît. Oh, en tant que. Quand on est apparu. Monsieur Rapport, ni tout n'a pas tué là. Il a dit à Connaît d'aller chercher Pierre. Ako, Amakoueta, Pierre Fon. Pour entendre des paroles. Django Kaota, il est sauvé. Nous sommes venus, moi et mes frères, et nos familles, pour que nous puissions pour le Seigneur. Plusieurs sont venus. Il y a énormément d'enfants de Dieu parmi nous. Vraiment, il y a Mathilde Adou. À part San Pedro. San Pedro, il y a encore des gens qui viennent de. Quelque part d'autre. Donc, voilà, vous venez de San Pedro. Vous allez parler de façon brève. Vous allez parler de façon brève.
très bref. Au nom de ceux qui viennent de comme le frère Timothée a parlé, au nom de ceux qui viennent, ceux qui sont venus, de ceux qui sont à main, et le frère Paul de San Pedro, vous allez aussi parler, et bénir le Seigneur nous dit vraiment comment est-ce que la vérité prêchée par le groupe Jésus vous a impacté. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous présenter aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Mon nom c'est Jean Hervé Gueux. Jean Hervé Gueux. Je viens de Borotoukoro. Borotoukoro. Dans la région de Koro là-bas. Maral. Le groupe Jésus le vient, je l'ai revu à travers ma femme. Le groupe Jésus le vient, parce que moi j'étais à l'église baptiste et rémission. Je trouvais l'église baptiste et rémission. Bon, la grâce de Dieu a fait que c'est en 2017. Mathieu, t'as ça pas beaucoup son. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir son chemin. Sinon, bien aimé, moi j'étais à moitié charlatan, féticheur, sorcier. Pour le tout cas, vraiment, Jokela, Annie, comment on dit là? L'Abérikela. Parce qu'il y avait des fétiches que j'adorais. On tombait deux dans son nom. J'étais un chasseur. On tombait là, deux autres. En 2017, pour 2017 là, j'ai adoré mon fétiche. J'ai parti en brousse. Une voix me fut adressée. Ah ben ce que tu fais. Il m'a dit que là, si tu arrives à mourir, où ira ton âme? Il t'a mis, il t'a déjà dans ta vie. Bien aimé, pour moi, c'est déjà passé, mais et toi? Avec ce que tu fais, si tu arrivais à mourir, ni ton salam, où ira ton âme? Et ta diable dans ta vie. De 11h aux 11h jusqu'à 23h. Attends, c'est 23h. La voix sonnait en moi. Comment je pouvais plus résister. Tu étais sec à rien sur tout. J'étais en brousse. Tu m'as tout collant. Si je meurs là-bas, ni ça va voir. Les animaux vont me manger. Donc j'ai fui pour venir à la maison. Pourquoi il va mourir en brousse? Et puis mon corps va se gaspiller. Je suis venu à la maison. Dieu a fait la grâce aux environs de 2h30. La voix qui me disait que tu me connais, c'est que tu fais. Je dis que là, si tu arrives à mourir, où ira ton âme? Voici que la voix me fut encore adressée pendant la nuit. Alors comment quelqu'un non la salama? Quoi tu aller sur une crème? Et ça a été comme un sommeil. À tout cas comme un sommeil. Il dormait. Et le Seigneur m'a fait la grâce. De voir où ira mon âme. Bien aimé, je vous assure. L'enfer est réel. Mais si vous dites qu'il n'y a pas d'enfer, il vous a menti. L'enfer est réel. Toi, tu adores des idolâtres. Dis-toi que si tu meurs, ton âme va souffrir. Et ta diabénage, le Seigneur m'a fait la grâce d'expérimenter. Encore vraiment, du manière plutôt qu'un manque à sec, allez au roman, au flanc. C'est ce qui a transformé ma vie. Allez au cas, vraiment, en tant ce que Dieu a fait pour moi là, je ne suis même pas grand pour pouvoir le remercier. Ma fille Kamikani, ma bon, vraiment, c'est pas permis à tout le monde. Vraiment, faut pas attendre à ce que ça t'arrive. Quand on a un taux, il est si en fait réel.
L'enfer est réel. On m'a pas forcé pour dire de chercher Jésus. Quand j'ai traversé ça, j'ai vu que c'est pas l'homme qui va me forcer. Alors qu'on monte vraiment, on force cadeau. Oh bien aimé, avant que ça arrive, j'ai parti au baptiste. Malgré que j'ai parti à l'église, j'avais tous mes pieds au dehors. Tu mets à l'église là, mais c'est d'abord fait bête, Je cherchais femme, comme mes habits que j'échange là, je pouvais changer femme comme ça. Tu mets non, tu mets tout le monde, tu mets maintenant combien de temps. Je pouvais voler dans les champs. Bien aimé, j'avais une mauvaise conduite. Vraiment, c'est Dieu qui m'a remboursé là. Le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a retiré. Il m'a montré le chemin. Donc je partais au baptiste. Lorsque je partais au baptiste, j'ai dit au Seigneur. Seigneur, je ne te connaissais pas, c'est toi qui t'es révélé à moi. Je ne sois pas en enfer. Quelles que soient les difficultés, je vais traverser. Je vais parler en enfer. J'étais au baptiste, j'ai prié là-bas. Souvent quand je prie, je dis Seigneur, fais voir vraiment si c'est ton esprit qui est ici. Je ne vous dis pas que baptiste c'est pas une église. Hein. Mais ils ont dérobé la voix. L'esprit qui te présentait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. L'esprit était tout noir. J'ai dit au Seigneur, si c'est la vérité, si c'est ton esprit, envoie ta grâce. Mais l'esprit était toujours noir. Une fois, ma femme était en train de chercher la chaîne. Elle a vu le groupe Jésus revient. Elle m'a dit, chérie, j'ai vu une église, hein. Comme ta église craignée. Le déploiement est réel là-bas. Merci ce matin pour y aller voir là. Ça ne doit pas être pour Baptiste. Allez te maintenant, Baptiste, à il dit, oh, faut laisser les chercher d'argent. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir l'amour. On commençait là quand il y a sur. L'amour un peu. On pense à Catania Soro. J'ai commencé à assister. On pense là qu'à Nef Soro, Galata. Assister. Galata. Café. 10 jours au lendemain. L'amour a grandi en moi. A commencé là qu'à Bonia. J'ai dit à ma famille. On compte à famille Banco. Si c'est dans ma maison ici, ni ta pour rien. Si c'est pas chaîne Jésus revient, ni chaîne Jésus revient, je ne vais pas voir aux chaînes si ma télévision. On t'en a rien à faire. On a commencé à suivre le groupe Jésus. En pensant là quand Jésus revient, parce que moi je n'avais même pas de téléphone portable. J'ai dit au Seigneur, encore Mathieu, si vraiment, ni Tchatchana, ce groupe-là est de toi. Ni allez beaucoup de là vraiment il t'a boro et chana. Permet qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et pas qu'un jambon vers de Côte d'Ivoire. Ça c'était en 2023. Allez donc là, 2023. À ce moment, le programme de Côte d'Ivoire n'était même pas en cours. On va te la programme today. Le Seigneur a permis en 2024. Mardi sonan jambon 2024 là. L'évangéliste a annoncé qu'ils vont venir à Abidjan. Oh, à Kala, ce coup, à Benamé, Abidjan. J'ai dit Seigneur, si vraiment que c'est de toi, ni t'aider au poisson, permet qu'il vienne à moi. Il va tomber la main. Le Seigneur, l'évangéliste a annoncé encore, l'apôtre Paul a annoncé, en tant que Franck a lancé, qu'ils vont venir à moi. Pour venir à moi. Il dit au Dieu merci. Seigneur, fais-moi la grâce d'avoir mon transport pour aller là-bas. Il va que c'est mon sur Gataï. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Mathis, c'est la casson. Je suis venu. Non.
J'ai vu le groupe. Ça a augmenté ma foi encore. Ça a augmenté ma joie encore. Peut-être que s'il va avoir une église qui prêche le nom de Jésus, mais au niveau du groupe Jésus revient, vraiment, il n'y a pas de doute. Oh, vraiment, mais c'est la force. Il n'y a pas de doute. Parce que j'ai dit au Seigneur, en ce moment, ce n'était pas annoncé. Ah ouais, là, vraiment, argument, quoi, là, c'est bon. Si c'est vraiment de toi, l'île avec moi, qui viennent en Côte d'Ivoire. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. On en a Côte d'Ivoire. Si c'est vraiment de toi, qui viennent à Mans. Ils sont venus à Mans. Si c'est vraiment de toi, permets que je gagne mon transport. Et bien, quand vous mettez mon sens. Dieu a fait la grâce. J'ai eu mon transport. Et nous sommes venus. Je glorifie le nom du Seigneur. Je glorifie la gloire. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. En tout cas, ce sont des témoignages bénissants. Oh, et vraiment, l'impact de ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia, gloire à Jésus. Amen.